Et c'est notre dimanche de Pâques. Demain, c'est férié. Mais bien aimé, même les païens, ils ne vont pas travailler, ils vont fêter Pâques. Et c'est ton Pâques à toi et moi. C'est notre fête. C'est notre fête. Mais on dirait que vous ne me croyez pas. Mais bien aimé, demain, les gens ne vont pas aller travailler.
les bureaux seront fermés. C'est pour cela qu'on dit, tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. Amen. Moi, si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas le faire. Amen. Ça veut dire que le monde entier croit que Jésus-Christ est ressuscité pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Colline, lis-moi. Matthieu 26 à 29. Je lis au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui a été répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Mais bien aimé, il y a le service de Saint-Saëns qui va arriver. Dans quelques minutes, je vais inviter ceux qui sont déjà plongés dans les eaux de baptême. Mais bien aimé, si tu es là ce matin, tu n'as jamais été baptisé. Nous voilà, nous sommes là à la fin du culte. Tu viens me voir, ou le pasteur Pedro, ou l'évangéliste, les ministres sont là. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Christ avait dit que faisons cela à la mémoire de moi. Et c'est lui ou celle qui mangera. Il n'y aura plus faim. C'est lui ou celle qui boira le sang de Jésus. Il n'y aura plus soif. Mais bien aimé, ce repas, nous le mangeons. Que ça vient purifier notre corps. Que ça vient même guérir les maladies incurables. C'est que la médecine n'arrive pas à guérir. J'espère qu'à l'appel, je le ferai. La majorité, nous allons nous lever. Et ceux qui vont les rater aujourd'hui, ne les ratent pas le mois prochain. Venez nous voir. Nous allons te baptiser. Nous allons faire cet acte. Mais bien aimé, Jésus-Christ l'a fait. Et nous continuons à les cheminer. C'est pour cela que je vais appeler les diaconesses. Et nous, la diaconesse Judith. Diaconesse Annick. Diaconesse Georgette. Toi. Et les diacres Alain. Si vous pouvez passer devant. Nous allons passer au acte. Mais bien aimé, pour ceux qui sont baptisés, n'hésitez pas, venez boire, venez manger le corps de Christ. Ce pain, ça a été fabriqué par les mains des hommes. Mais quand on a prié, ça s'est transformé au corps de Christ. Jésus l'a dit, tous les jours de votre vie, vous allez manger mon corps et vous allez boire mon sang. Le sang qui donne la vie, le sang qui purifie. La diaconesse Annick, elle n'est pas dans la salle. Si la diaconesse Annick n'est pas là, elle serait remplacée par les diacres Gina. Nous allons passer au acte. Nous allons faire cela à la mémoire de Christ. Donnez-moi la chanson. C'est mon corps. Prenez les manger. C'est mon sang. On est quatre. Hein? Vous êtes quatre. Venez là. Vous allez vous mettre. Oui, vous êtes quatre. Mais bien aimé, pour ceux qui sont baptisés, vous allez vous mettre debout. Nous allons faire rester dans vos places. Restez dans vos places. Nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Préparez déjà cette leçon. Préparez déjà cette leçon. Maintenant, nous devons, pour ceux qui sont baptisés, pour ceux qui sont plongés dans les eaux de baptême, tu vas manger les corps de Christ. Il nous donne son Seigneur, emporte-nous dans ton séjour.
gloire, nous te présentons ce jus de raisin qui représente ton sang à la croix. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, devant cette coupe, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci de ramener nos corps, nos pensées vers toi, Seigneur, pour prier, Seigneur. Père, nous n'avons aucun mérite, mais Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous demande au Dieu Président de venir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, après avoir prié, le Seigneur prend le pain et il a rendu grâce. Ceci est mon corps, prenez-en et mangez. Bien-aimés, quand vous allez manger ce corps de Christ, que ce corps vous donne la vie, que tout ce qui est n'est pas de Jésus. Tout ce qui est comme malade en mangeant ce corps, que ce corps vous donne la guérison. Merci Seigneur pour ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Famille logée, mes bien-aimés, nous allons prier. Commence à penser au acte que tu viens de faire. Tu viens de manger le corps de Christ et boire le sang de Jésus. Père de gloire, nous voici devant ton trône de grâce. Nous voici devant toi. Père, tu as dit, faisons cela à la mémoire de toi. Nous voici, nous avons fait cet acte ce matin. À la mémoire de toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Père, que chacun de nous qui a pensé en toi, toi qui donnes la vie, que cette personne aussi puisse voir la vie. Que chacun de nous qui a mangé ton corps, que nous ayons sur la bonne santé. Que nous te suivons aussi, Père de gloire, que nous nous donnons nos vies à 100% Seigneur, comme toi t'as donné les siens. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les anges qui sont en train de camper tout autour de nous. Merci Père de gloire, je pense à ce moment, ils n'ont pas eu cette occasion. Que tu, Papa, que tu prépares leur cœur. Que la prochaine fois, ils seront ensemble et nous dit. Sois élevé, Papa, sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer plus que ça, bien-aimé? Si tu crois que Jésus-Christ est la résurrection, commence à acclamer Jésus. Mon maquillage est peut-être trop parfait pour que je ne vois pas la personne de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, peu importe la confession que tu as, aujourd'hui la création tout entière célèbre le nom de Jésus. Je veux t'entendre célébrer Jésus. Je veux t'entendre célébrer Jésus. Si tu crois qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, Thank you.
Jérusalem avait commencé. Je veux te dire que ce matin, la résurrection de Jésus a déjà commencé. Si tu le crois, tu acclames. Si tu le crois, tu pousses un cri de joie. Ouvrir ta Bible avec moi, nous restons toujours debout. Dans le livre de Matthieu 28, s'il vous plaît, nous prendrons place pendant un court instant, car aujourd'hui, nous avons besoin de prier. Il va falloir que, bien-aimé, tu ordonnes, que tu parles à tous les domaines de ta vie qui sont moribonds. Donc tu vois que c'est un peu à demi-mort. Mais aujourd'hui, nous allons les ordonner de reprendre vie. Quelqu'un peut dire amen. Matthieu 28 dira au verset 1, nous ouvrons la parole du Seigneur. Matthieu 28, verset 1. Tout le monde a trouvé? Amen. Si tu as trouvé, tu dis amen. Amen. Alors la parole de Dieu nous dira, après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Je proclame qu'aujourd'hui un ange descend du ciel pour toi. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Je dis que toutes les pierres qui ont été posées sur ta vie, l'ange de l'Éternel va s'asseoir dessus. Son aspect était un comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ceux qui ont essayé de garder ta vie, ils vont avoir peur et c'est eux qui seront frappés de la mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Bien-aimé, ne crains pas, car l'ange de l'Éternel est là. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Qui cherche Jésus? Qui est venu chercher Jésus? Tu vas le rencontrer, bien-aimé, ce matin. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Jésus avait déjà annoncé sa résurrection. J'annonce ta résurrection ce matin. J'annonce ta résurrection ce matin. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elle s'éloigna promptement du sépulcre. Avec crainte et avec une grande joie. Qui est dans la joie ce matin? Car la résurrection, c'est la grande joie. Et courir, porter la bonne nouvelle aux disciples. Qui croit qu'il y a une bonne nouvelle ce matin dans ce lieu? Qui peut déjà faire un grand tremblement, bien aimé? Car la résurrection, c'est la grande joie. Qui peut faire trembler ce lieu, bien aimé? Qui veut faire trembler ce lieu? Je veux que tu fasses trembler. Tu peux prendre place, bien-aimé. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais ne sois pas étonné qu'il y ait un frère et une soeur qui va commencer à sauter là où il est. Parce que lui, il sait qu'on l'avait déjà condamné mort. Mais aujourd'hui, la résurrection va le rencontrer. Alléluia. J'aimerais, bien-aimé, tout d'abord nous passer, nous donner les plus grandes salutations de notre Père, notre Papa Pasteur. J'aimerais que nous acclamons pour sa vie. Alléluia. Tu peux acclamer pour notre papa pasteur. Tes acclamations sont en train de monter au ciel. C'est toute une prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Vous savez, un jour aussi excellent, merveilleux comme ce jour-là, être dans sa maison, c'est merveilleux. Je vous le dis, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit au peuple, ne craignez point. Alors je viens te dire, toi peuple, ne crains point. C'est la parole de notre Père. Il a dit, je te le dis, ne crains pas. Là où tu es, commence à clamer si tu ne crains pas. C'est la parole de notre Père. Ne crains pas sur ta vie. Ne crains pas pour tes enfants. Ne crains pas pour
résurrection. Alors, bien-aimés, dimanche dernier, nous avons eu un très très bon message qui a été béni dimanche dernier. Le pouvoir de la parole. Je ne sais pas ce que toi tu dis, mais il va falloir te dire que tu es dépositaire d'un pouvoir. Moi, j'aime dire, la foi te rend bavard. Ah oui, quand tu as la foi, tu es bavard. Mais tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Parce qu'en réalité, les hommes ne peuvent rien pour toi. Mais Dieu peut tout changer pour toi. Voilà pourquoi ceux qui ont la foi, ils sont bavards. Qui est bavard dans la foi aujourd'hui? Ah oui, trop de bavardage stérile qui n'emmène rien. Bavarde avec Dieu. Et tu verras que tu auras des résultats. Qui croit que la foi a des résultats? Parler à Dieu, ça change. Les hommes bien-aimés ne seront pas la solution pour toi. Mais notre Dieu est Jésus-Christ. Amen. Alors avec ce merveilleux message apporté par notre évangéliste, j'aimerais dire que c'est vraiment une occasion de te dire, ne manque jamais à tous nos services. Parce qu'à chaque fois, Dieu est en train de rajouter une brique dans la construction qu'on appelle la foi. Et ta foi, bien-aimée, doit être bâtie de manière solide. La Bible dira, Jésus a dit à Pierre, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Crois qu'il est une pierre dans laquelle Jésus est en train de bâtir l'église. J'aime te dire que bien-aimé, Jésus-Christ, il est vraiment bon et tellement merveilleux qu'il s'est réservé de manière certaine une saison dans laquelle toi tu dois être dans la joie. J'aime le dire, tu n'es pas devenu chrétien pour rester à un niveau trop bas. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Je n'ai pas accepté Jésus-Christ pour rester le même. Il faut que tu arrives à imprimer cela. Que le monde doit se rassurer que toi tu as Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, le monde dira non, voici un homme qui a été marqué de la vie de Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais vraiment poursuivre sur quelque chose de grand. Il est évident que pour certains, ce week-end qu'on appelle week-end pascal, certains vont aller à la chasse aux œufs. Certains vont dire, ben non, je vais rester avec mes enfants et puis nous allons passer un temps en famille. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est la réunion de la famille de Jésus-Christ. Et dans cette famille, il est le premier-né. Et j'aimerais insister sur quelque chose d'énorme. Quand, bien-aimé, nous lisons évidemment ce texte merveilleux de Matthieu 28, pour moi, tu ne peux pas être dans la foi et sans lire le livre de Matthieu 28. C'est impossible. Parce que là, bien-aimé, est l'histoire même du fondement de notre foi. Alors, toi qui notes, le titre du message de ce matin, c'est le fondement de notre foi. Bien-aimé, sans Matthieu 28, la Bible ne serait pas complète. Il manquerait quelque chose. Et je te dis, moi j'aime l'histoire de Jésus parce qu'on commence avec la fin. La Bible nous dit qu'il a déjà annoncé que j'allais mourir et que le troisième jour, je vais ressusciter. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois complètement conscient de ce que l'Éternel aimerait faire dans ta vie. C'est une saison dans laquelle Dieu aimerait t'emmener à un autre rythme. Un rythme beaucoup plus accéléré, comme j'aime le dire. Parce que aujourd'hui, quand on voit nos vies, on voit qu'on subit un certain retard. Et le retard que tu subis, c'est tout simplement car tu as oublié qu'il y avait un locataire dans ta vie. Qui croit qu'il a un locataire dans sa vie? La Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit en lui? Alors ce matin, j'aimerais vraiment poursuivre sur ce thème majeur. Le fondement de notre foi. Matthieu 28 est vraiment riche. Quand nous lisons ces 9 premiers versets, on arrive à saisir que l'Éternel est bon. Mais il est tellement bon que lorsqu'il fait les choses, il veut faire les choses pour que toi tu puisses être béni. Quelqu'un peut dire amen? Et dans sa sagesse et sa bonté, Dieu savait que l'homme pourrait arriver à un moment où il allait douter. Alors, Jésus n'est pas ressuscité de manière
hasardeuse. Jésus n'est pas ressuscité dans le noir complet où personne ne savait. Mais le jour de la résurrection de Jésus-Christ, tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose. J'aimerais t'annoncer, le jour de ta résurrection, c'est aujourd'hui. Au sortir de ces lieux, on verra que les domaines de ta vie ont été ressuscités. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup insister sur certains éléments. Alors, tu verras que nous allons débuter comme des prédicateurs. Tu pourras noter, prendre des notes. Mais de la manière que nous allons terminer, je te le dis, ce n'est que le Saint-Esprit qui sera responsable de tout ce qui se passera dans ces lieux. Aujourd'hui, bien-aimés, il faut poursuivre dans l'enseignement de la parole. À se dire qu'en réalité, il y a un propriétaire de cette parole. Oui, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dira qu'il est la parole qui s'est faite chair. Me donner mon portable, pardon. Parce qu'en réalité, ce que j'aimerais que tu arrives à saisir, c'est qu'il y a plusieurs éléments que Dieu voudrait approfondir avec toi. Et en réalité, ces éléments-là, c'est pour te dire que le fondement de notre foi, bien-aimé, c'est la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, l'homme est tellement incrédule, il lui faut des preuves. Oui. Il y a des femmes qui disent, tu me dis toujours je t'aime. Où sont les preuves? Hier, il y a un frère qui a monté des preuves. Amen. Amen. Donc, ce frère-là, sa femme, elle monte, elle descend, elle... il a prouvé. Alors, bien aimé, l'homme a besoin de preuves. Si aujourd'hui tu doutes, va en Israël. Et tu verras que dans ce tombeau, il y a écrit, il n'est plus là, il est ressuscité. Amen. 2018 années après, l'histoire continue. Qui croit que l'histoire continue? Amen. Et le fondement de cette histoire, c'est la résurrection de Jésus. Mais nous allons arriver là, parce que j'aime te dire une chose. Pour qu'il y ait résurrection, il y a eu, bien aimé, quelque chose d'important. Jésus-Christ est venu sur terre et il est né comme tous les hommes. Il est né, et pour certains, excusez-moi du terme, il a pris aussi le sein de sa maman. Oui, oui, il a été allaité comme un enfant. Il a grandi, oui. Il a même appris un métier. Parce que la Bible nous dit un jour, on dit, voici, serait-ce pas Joseph? Serait-ce pas Jésus, le fils de Joseph, le charpentier? Donc Jésus avait appris ce métier-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, en réalité, ce n'est pas Jésus, enfant, qui a été monté à la croix. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est monté à la croix. Alors, tu comprends une chose. Quand nous avons dit que la résurrection commence à la croix, c'est la résurrection et l'affaire des fils et des filles. Tu ne peux pas, bien aimé, comprendre la résurrection si tu n'es pas un fils, une fille. Tu te diras que la Pâque, c'est parce qu'il y a un lundi férié. Alors que la Pâque, pour nous, c'est plus que ça. La Pâque est le fondement de notre foi. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous serons des religieux. Mais moi, je brise l'esprit de religion au nom de Jésus. Tu n'es pas un religieux, mais tu es un chrétien. C'est-à-dire que tu es comme Christ. Comme il est, toi aussi tu es. Quand il parle, toi aussi tu parles. Amen. Quand il ordonne, toi aussi tu ordonnes. Et quand il dit que le ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre. Tu es comme Christ, c'est ça être chrétien, bien-aimé. Nous ne sommes pas des religieux. Malheur à ceux qui se disent, parce que c'est le week-end pascal, je viens à l'église. Dimanche prochain, reviens encore. Parce que Dieu, Jésus, va avoir une relation avec toi tous les jours. Amen. Pas une relation de manière très, allez, hasardeuse, à tes heures perdues. Mais dis-toi plutôt, je veux avoir Jésus-Christ pour toute ma vie. Amen. La résurrection est l'affaire des fils et des filles. Jésus, qui était enfant de Dieu, est devenu fils de Dieu. Et le fils de Dieu est monté à la croix. J'aime te dire que, bien aimé, tu dois comprendre que la résurrection pour toi, c'est ta mission. J'aime le dire. Le fils fait de la vision du Père sa mission. Jésus savait que lorsqu'il venait sur terre, il venait en mission. Qui le sait? Jésus savait, même s'il apprenait à faire le métier de charpentier, un jour il doit aller à la croix. Alors j'aime te dire,
quelque chose de fondamental. Si le Père qui a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre a accompli sa mission, toi aussi tu as une mission à accomplir. J'aimerais insister sur cela. L'Église doit être constituée de filles et de fils qui ont compris qu'ils ont une mission à faire. Malgré que tu travailles, malgré que tu te maries, malgré que tu étudies, tu as une mission, bien-aimé. Parce que c'est dans ce même livre de Matthieu 28, au verset 19, qu'il est écrit. Aidez-moi. Qu'est-ce que Matthieu 28, 19 dit? C'est ça la mission de l'Église. La lettre de mission de l'Église, ce n'est pas de se marier, ce n'est pas d'avoir des diplômes, des enfants, voyager, non. La lettre de mission de l'Église, c'est d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Y a-t-il des disciples de Jésus-Christ ce matin? Parce que les disciples sont déjà des filles et des fils, ceux qui ont déjà compris le mystère de la croix, la résurrection qui est Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais m'adresser à des fils et des filles. Ceux qui auront le discernement de comprendre qu'en réalité, la mission continue. C'est le fondement de notre foi. Parce que Jésus, un jour, alors qu'il était avec ses compagnons de route, les 12 disciples, il est allé dans un lieu qu'on appelle Gethsémané. Alors je te donne un peu le contexte. Gethsémané est une montagne dans laquelle il y avait des oliviers. On l'appelle aussi le mont des oliviers. Et Jésus est parti là-bas pour prier. La Bible nous dit qu'à un moment, il a pris les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il s'est éloigné des autres. Et il a dit, on va prier. Et il a laissé encore les trois disciples. Et il est allé encore plus loin. Pendant une heure, il a prié, il a prié. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Il parlait au Père. Seigneur, éloigne cette coupe de moi parce qu'elle est difficile, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il est revenu auprès des disciples. Il les a trouvés endormis. J'aime te dire que Jésus ne doit pas te trouver endormi, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a une mission, mais l'Église est endormie. Même ceux qui marchaient avec Jésus étaient endormis. Et alors que Jésus les a pris pour comme des intercesseurs, en ce moment fatidique où il a senti la mort. Jésus, homme, avait senti la mort venir. Et il a appelé les 12, plus les 3, et leur a demandé de prier, d'intercéder. Première fois, il revient, il les trouve endormis. La deuxième fois, il revient, il dit, même toi, Pierre. Ils étaient encore endormis. Je prie que tu te réveilles maintenant. Tu ne peux pas être endormi, car le monde doit être sauvé, bien-aimé. Et cela sera fait par toi, bien-aimé. À la troisième fois, Jésus revient, il les retrouve encore endormis. La Bible nous dit que cette fois-ci, il leur a dit, dormez. Dormez. Et à un moment, il les a réveillés parce qu'il a vu que Judas, les traîtres. Alors, je vais ouvrir une grande parenthèse. Beaucoup aiment savoir pourquoi Jésus avait Judas dans son équipe. Pourtant, Jésus est Dieu. Jésus savait qu'il allait me trahir. Et si tu reviens un peu dans Matthieu 26, alors que c'est la Sainte Cène, au début, Jésus dit... Celui qui mettra la main au même temps que moi dans le plat, c'est lui qui va me trahir. Mais Jésus savait tout. Mais Jésus avait Judas avec lui. Alors j'aime te dire cette chose-là qui est très importante. Même les Judas vont accomplir la mission que tu dois aussi faire. Ils participeront à cela. Ne me dis pas, mais pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi il me critique? Pourquoi il me condamne? Car laisse-moi te dire, il te faut un Judas pour que tu passes à la croix. Amen. Si tu n'as pas de Judas, tu n'iras pas à la croix. Parce que Pierre dira, je ne peux pas trahir le maître, c'est impossible. Mais il fallait un Judas qui est tellement cupide qu'il va vendre le maître pour 30 pièces d'or. Aujourd'hui, moi je vais réveiller les Judas pour toi. Oui, parce que tu es trop endormi. Moi, je vais prophétiser que les Judas de ta vie se réveillent, qu'ils te vendent, qu'ils te trahissent pour que tu montes à la croix. Parce que la résurrection commence par la mort. L'Église doit comprendre qu'elle doit mourir en elle-même. Quand
tu meurs en toi-même. C'est-à-dire que tu meurs dans le mensonge, que tu meurs dans les critiques, que tu meurs dans une vie qui n'est pas conforme en Jésus-Christ. Et tu ressusciteras dans la vie qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église doit mourir en elle-même, dans sa mentalité, dans son caractère, dans sa personnalité, et accepter la vie de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Aujourd'hui, j'aime te dire, il te faut un Judas. J'aimerais que tu regardes un peu ta propre vie. Tu vois que cette personne, elle ne t'aime pas, mais elle est toujours dans ton environnement. Et toi-même, tu te poses la question, mais pourquoi? C'est ton Judas. Il participe, bien-aimé, au plan de Dieu pour ta vie. Ne le chasse pas, mais dis-lui qu'il fasse ses œuvres vite pour que tu sois crucifié. Ah non, il y en a, ils n'aiment pas ça là. Moi, à la croix, bien-aimé, tu dois être crucifié. La mort, bien-aimé, c'est ce qui commence, c'est le prémisse, le début de la résurrection. J'aime insister sur cela en nous allant tout doucement pour que tu arrives à saisir de manière claire et précise quand Jésus te montre la mort, c'est que la résurrection va frapper à ta porte. N'aie pas peur de la mort. Là, quand je parle de la mort, évidemment, je parle de la mort physique. Je vais t'expliquer pourquoi beaucoup ont peur de la mort aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que si la mort frappait maintenant, ils n'iront pas au ciel. Parce qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je prie que nous soyons tous en accord avec la parole de Dieu. Parce que si Christ vient maintenant, nous irons tous au ciel. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup insister sur ça. Si Christ te montre le chemin de la mort, c'est que la résurrection est derrière. Amen. Dieu ne t'emmènera jamais sur un chemin qui ne t'apportera pas la vie. Il faut que tu acceptes de mourir, bien-aimé, pour ressusciter avec les œuvres de l'esprit. La mort, bien-aimé, c'est ce qui va exciter Dieu de te bénir. Amen. Le chrétien doit mourir. Oui. Tu dois mourir, bien-aimé. Et j'aime toujours le dire, nous ne sommes pas dans une église d'Africains. Nous ne sommes pas dans une église de Noirs. Mais nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Et dans cette église, c'est l'Esprit de Dieu qui commande. Amen. C'est pas la religion. Et j'aime beaucoup insister sur cela. Parce que beaucoup disent, mais pourquoi Jésus a accepté Judas? Mais il fallait un Judas, bien-aimé. Sinon, Jésus n'aurait jamais été trahi. Alors, après que Judas ait trahi Jésus, maintenant commence le procès de Jésus. Les docteurs de la loi. La Bible nous dit qu'ils ont emmené Jésus auprès du Sanhédrin. Là où il y avait les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, ont commencé à dire, voilà, nous l'avons eu. Les docteurs de la loi étaient les ennemis de Jésus. Vous savez pourquoi ? Jésus guérissait les malades. Jésus faisait des miracles. Jésus multipliait le pain. Jésus, là où il y avait des femmes qui n'enfantaient pas, les séries l'enfantaient. Et ça, c'était un problème pour les docteurs de la loi. Parce qu'ils se disaient, la loi de Moïse, la loi de Moïse. Mais ils avaient oublié que Jésus venait pour inaugurer la dispensation de la grâce. Qui croit que Jésus a inauguré cette dispensation? Il y a la loi, mais il y a aussi la grâce de Dieu. Jésus est venu pour dire, effectivement, ce peuple a besoin de vivre les miracles. Amen. Et les scribes ont dit non, cet homme est en train de perturber notre calme. Crucifions-le. Ils pensaient que finalement, crucifier Christ allait tuer tout simplement le christianisme. Mais ils se sont trompés. Au contraire, la mort de Jésus a levé le grand mouvement qu'on appelle le christianisme. Et je le dis, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que toi tu sois ressuscité. Il est mort pour que toute ta famille soit sauvée. Il est mort pour que toutes les nations célèbrent Jésus-Christ de Nazareth. Il pensait que sa mort allait terminer cette histoire. Mais l'histoire continue, bien-aimé. J'aime le dire. Ceux qui te critiquent, laisse-les. Ah oui. Moi, en ce moment, je cherche des gens qui vont me critiquer, vraiment. Franchement. Ah, je cherche. Parce que plus tu as mon nom dans ta bouche, c'est que c'est beau, ça.
Donc les pharisiens, les scribes, ils méditaient, ils dormaient en se disant, quand est-ce qu'on va tuer Jésus-Christ? Moi, je vais réveiller ces gens-là qui viennent te tuer. Ah, là, on dit, mais le pasteur, on ne parle comme ça. Je dis, tu es ton vieil homme. Tu es le fait que tu viennes à l'église, mais tu regardes encore la vie qui est dans le monde. La Bible dit, il est venu pour le monde, pour nous donner la vie. Cette vie, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, après le faux procès qui a été fait, ils ont décidé qu'il faut le crucifier. Mais comme le peuple d'Israël était sous la domination romaine, ils ne pouvaient pas crucifier les hommes. Ils l'ont emmené vers Ponce Pilate. La Bible nous dit, Ponce Pilate n'a trouvé aucune faute en Jésus. Mais il lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus, à cela, il a dit, tu le dis toi-même. Alors j'aimerais te dire, peu importe le nom qu'on te donne, ce qui compte, c'est le nom que le Père t'a donné. Et le jour du baptême de Jésus, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel et dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai déposé toute mon affection. Qui croit qu'il a l'affection du Père? Qui croit qu'il a l'affection du Tout-Puissant qui est là-haut? Alors ce qui compte, bien-aimé, ce n'est pas ce que les Sanhédrins ont dit, ce n'est pas ce que Ponce Pilate et la foule pensaient, parce que Jésus voulait arriver vite à la croix, parce qu'au moment où il a expié son dernier souffle, la Bible dit, tout est accompli. Amen. Je le dis, bien-aimé, tu dois monter à la croix pour que tout soit accompli dans ta vie. Il faut que tu acceptes la mort pour que tout soit accompli, bien-aimé. La vie commence avec la mort. Je te dis que le chrétien est celui qui est mort pour le monde, mais vivant pour Jésus-Christ. C'est ça le chrétien. Il faut que tes amis se disent, mais avant nous étions ensemble. Maintenant tu vas dire, nous ne sommes plus ensemble car j'ai quitté cette famille et je suis rentré dans la famille de Jésus-Christ. J'annonce que dans cette famille, il y a un héritage. L'héritage de la vie, bien-aimé, qui est la vie éternelle. Cette vie va continuer au ciel, bien-aimé. Ah oui, parce que les morts en Christ ne sont pas bons, mais ils se reposent. Alors, voici maintenant, au moment fatidique, Jésus a dit que tout est accompli. Maintenant, l'histoire commence. Un homme du nom de Joseph d'Arimathée. J'ai besoin qu'à la paix de l'Éternel, nous ayons des Joseph d'Arimathée. Alors que Jésus est cloué à la croix, cet homme est parti voir Ponce Pilate. Il m'a dit, donne-moi le corps de Jésus. Je vais l'ensevelir à ses propres frères. Quels sont ses frères et sœurs qui vont dire non? L'église n'a pas besoin de payer. Je le ferai moi-même. Quels sont les Joseph d'Arimathée qui diront non? Ce n'est plus l'affaire des autres, mais c'est mon affaire. Un homme, alors que Jésus montait à la croix, Simon de Cyrène, la Bible nous dit, on l'a forcé de porter la croix de Jésus. Bien-aimés, ne sois pas forcé. Si tu sens que c'est la volonté de Dieu, fais-le. Et là, Joseph d'Arimathée a dit non. Il a pris le corps de Jésus et il l'a enseveli. Et Marie de Magdala suivaient. Et lorsqu'ils ont vu que Joseph d'Arimathée a déposé Jésus, et la Bible dit qu'ils ont mis, ils ont scellé, bien aimé, le sépulcre avec une pierre. Quelles sont les pierres qui ont été déposées sur ta vie? Quels sont, bien aimé, les domaines de ta vie qui sont comme paralysés, qui sont comme morts? Aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ta vie va ressusciter. Amen. La Bible va encore nous insister sur plusieurs éléments. Parce que, sache-le, tes ennemis sont bien organisés. Alors qu'ils ont placé Jésus dans les sépulcres, la Bible nous dit que les membres du Sanhédrin, ceux qui l'ont condamné, sont partis encore voir Ponce Pilate. Leur a dit, donne-nous des gardes, afin qu'on puisse garder le corps de Jésus. Parce que peut-être ses disciples viendront le voler durant la nuit et ils diront qu'il est ressuscité alors qu'il est mort. Ils ont mis des gardes devant cette grosse pierre. Que ce soit des gardes ou une pierre, tout cela sera brisé au nom de Jésus. Peu importe le nombre qu'ils sont, peu importe comme ils sont costauds ou pas, ils ne sont pas puissants que la grâce de Dieu. Ils ne sont pas puissants que l'autorité de Dieu qui va descendre sur ta vie.
Alors ils étaient très bien organisés. Ils ont demandé une garde spéciale pour garder, bien-aimés. Sache-le que même quand tu dors, il y en a qui sont en train de méditer du mal sur toi. Mais peu importe. Jésus le bon berger est là. Qui peut dire Jésus le bon berger est là? Le bon berger qui garde ma famille, dis-le, qui garde mes enfants. Tu dois parler, je veux que tu parles, bien-aimé. Le bon berger qui garde mes enfants, qui garde mes études, qui garde mes finances. Parle, bien-aimé, à tous les domaines de ta vie que tu veux que Christ garde. Parce qu'à un moment, on va changer. L'atmosphère va changer et nous allons prophétiser. Et cet instant, bien-aimé, ce que tu auras déclaré, la main de Dieu va venir aplanir cela. Alors ils étaient organisés. Et les gardes étaient là. Et le troisième jour est venu. Qui croit qu'il y a un troisième jour? Non, qui croit qu'il y a un troisième jour? Qui croit qu'il y a un troisième jour où le match change? Où les diagnostics des médecins changent? J'aime quand Dieu fait changer les diagnostics des médecins. Ah oui, j'aime ça. Pas plus tard que cette semaine qu'on vient de terminer. La petite sœur de notre frère Brian ici à la porte. Ses parents qui sont à Lyon, ils m'appellent. Papa, viens, prie, etc. Je dis, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? L'enfant vient de tomber à l'école, on est dans l'ambulance, on l'emmène. Je lui dis, calmez-vous. Dès que vous arrivez à l'hôpital, appelez-moi. Il m'appelle. On m'a dit, mais les médecins ont fait tous les diagnostics, ils ne trouvent rien. Je lui dis, restez calme. Même s'ils trouvent quelque chose, nous allons prier. Amen. 30 minutes après, il me rappelle. Oh, papa, écoute, les médecins disent c'est peut-être de l'épilepsie. Le papa lui-même dit, dans ma famille et dans la famille de ma femme, il n'y a pas cette histoire. Je lui ai dit, comme tu as dit ça, j'ordonne maintenant que demain à la même heure, ta fille va sortir de l'hôpital. Au moment où on parle, elle est déjà rentrée. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la résurrection. Il change les diagnostics des médecins. Les médecins soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Nous n'avons pas imposé les mains. Elle était déjà à 700 km. Mais j'ai ordonné au son de ma voix. Le diagnostic des médecins a changé. Je veux parler sur ta vie. Si les médecins déclaraient aujourd'hui même que le diagnostic change au nom de Jésus. Je parle comme prophète. J'ordonne à cette maladie maintenant de te lâcher. J'ordonne à cette problématique de te libérer au nom de Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. J'aime ça. Un jour, Moïse s'adressait à Dieu en lui disant au buisson ardent, maintenant que tu m'envoies vers Pharaon, qui est-ce que je vais annoncer? Dieu lui dit, tu leur diras, je suis m'envoyé. J'aime cette réponse. Parce que quand Dieu a dit je suis, c'est à toi de compléter cette phrase. Mais Jésus, lorsqu'il a rencontré Marie et Marthe qui sont venues à la mort de Lazare, Jésus s'annonça et il dit je suis la vie et la résurrection. C'est pour dire que bien aimé, le je suis ça dépend de toi. Parce que le grand je suis c'est Jésus, lui qui a dit je suis la vie et la résurrection. Ce matin j'aimerais que tu parles, que tu dises je suis et présent. Lui qui est le grand je suis va ordonner dans ta vie et les choses vont s'accomplir. Nous ne parlons pas d'un homme qui est comme les autres. Il n'est pas Bouddha, il n'est pas mauvais. Il est parti dans le séjour des morts. Et le troisième jour, il est ressuscité. Les autres sont là-bas au sépulcre. Ils vont faire des pèlerinages. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des religieux. Car notre Christ est vivant. Il est ressuscité. Et il est sorti de tombeau. Libre et vainqueur. Le grand Jésus, c'est Jésus. Le grand Jésus, c'est Jésus. La résurrection est la vie. La résurrection est la vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. J'aimerais te dire, bien-aimé, j'aime l'appeler moi, les grands spécialistes de Ré. Oh oh, oh oh, oh oh. Mon Dieu, il est le spécialiste de Ré. Je suis en train de déclarer sur ta vie le relèvement. Je suis en train de déclarer le rebaptisement. Je croyais que tu allais te lever. J'appelle le frère Nathan au piano. J'étais en train de déclarer que cette saison, c'est la résurrection pour toi. C'est le repos dans ton mariage, le repos dans tes études, le repos dans tes finances.
direction est la vie. Commence à parler.